disent vivre un cauchemar. 9 mois après l'ouverture de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux, les riverains sont excédés par le bruit. Le bruit des quelques 60 trains qui passent chaque jour sur la ligne, ils en appellent au gouvernement. Magali Chalet. Voilà ce que je dis. Le bruit du TGV qui passe sous ses fenêtres, Jean-Luc l'entend 57 fois par jour. Sa femme et lui avaient fait construire cette maison au nord de Bordeaux pour profiter de leur retraite. Mais depuis le lancement de la ligne grande vitesse, ils sont dépités. Ça s'est succédé, les trains, ça se suivait, et alors voilà. Vraiment, ça va. Le dernier matin, et le suivant, c'est du 4h, 5h. Les premiers, donc, la nuit est courte. L'ICA, le délégataire de la ligne, a réalisé des mesures acoustiques chez les habitants les plus proches du passage. Sur 24 heures, la moyenne entre les pics de bruit et les moments calmes ne dépassait pas 60 décibels, ce